Boom it up, we gon' burn it down. Bien, salut tout le monde, c'est Jay le Magnifique et on se retrouve aujourd'hui pour notre quatrième épisode du Let's Play sur Metro 2033. Je tourne cet épisode-là tout de suite après le troisième pour une fois que j'ai le temps de tourner deux épisodes. Oh my god, Cam! Ah, j'avais terminé le dernier épisode juste avant le temps de chargement. Fuck! Bon, comment j'aurais pu savoir? Les fantômes, l'apparition de Cam m'avait pris par surprise. Pourtant, en combattant les bandits, j'avais senti que quelqu'un m'aidait depuis de l'obscurité. Oui, le gars qui est tombé comme une merde, c'était à cause de Khan. C'est Khan qui a lancé un petit couteau dans le dos. Mais je pouvais pas vous le dire, si je voulais pas vous spoiler. Khan m'avait assuré que le destin de Bourbon n'était pas lié au mien, mais je regrettais sa mort. Oui, il était un petit peu relié au mien. Hein. J'aurais pu le sauver à peu près 14 fois, mais bon. Menez. Quand un gun pointé sur toi puis que tu tires pas, c'est ton problème. Eh ben. Brûlé! Attends-moi, Khan! Personne ne vient jamais ici. Ni les hommes, ni les monstres. Il n'y a même pas de rats. Oui, pis nous, on est qui? Je suis qui pour toi, Khan? C'est un gros lighter, hein? J'aimerais ça en avoir un comme ça. Tu manques jamais de gaz. Ils savent qu'on est là. Approche-toi des tuyaux et écoute. Ne reste pas trop longtemps. Ouch! Je restais trop longtemps. Certains disent que c'est la voie des tunnels. D'autres croient que c'est une sorte de force psychique. Ok. Je connais ce tunnel. Et lui me connaît aussi. On y va. Tu sais, quand je vous disais que c'était un petit peu plus fucké, psychologique. Mais pourquoi ça serait dangereux? Il y a personne, tu le dis. Ta lumière allumée, mon ami. Ou on risque de rester coincé ici pour toujours. Ah ouais. Une chance que j'ai emmené un paquet de 20 Duracell 2A. Avant de m'en venir, hein. On ne sait jamais ce dont ces choses sont capables. Vous voyez, il y a une ombre. C'est comme un souvenir. on parlera pas des doublages. Il faut continuer. Ne touche pas les silhouettes. Concentre-toi. Ok, mais c'est dur de me concentrer quand j'ai des crises d'épilepsie qui me pop en pleine face. Je veux bien ne pas y toucher, mais il me fonce dessus. Je te suis, hein. Allez, t'es capable. C'est beau. Ah, je suis coincé. C'est beau. Yo, tu vas vraiment marcher là-dedans? Please, attends, laisse-moi faire le ménage. C'est beau. Il ne s'est rien passé. Pourquoi il m'a changé d'arme tout seul, le jeu? Il m'a sorti mon AK tout seul. Ah, oh, peut-être que c'était la molette, ouais. C'est sûrement ça. Pousse-toi sur le côté, Artyom. Terrible, c'est quand même cool. C'est juste un fantôme tram de métro. Allons-y. C'est impressionnant, un métro en rond comme ça.
Je sais pas s'il y a d'autres villes où... où les tunnels sont ronds comme ceux-là. Mais il y a vraiment aucune place hein, pour la maintenance. Genre le gars de maintenance qui arrive, lui, il doit se timer. En... Et regarde devant. Ah. Une bataille a éclaté ici il y a longtemps. Full batterie. Les défenseurs tiennent encore leur station. Il y a beaucoup de monde hein, pour une station qui est censée être déserte. Tu dis qu'il y avait pas de rats, mais il y a des araignées grosses comme des rats par contre. Castanella bio asterium. Hasta la vista, hasta la. Wingardium leviosa. Rum 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 vodka rum rum tequila. Boost. Boost. C'est beau, on a survécu. La force de Wingardium Leviosa. Je préférerais garder ça secret. C'est personnel, mon ami. Ben, quoi? J'étais avec eux lorsqu'ils sont morts. Je suis le seul survivant. Ah, je m'en fous. Je m'en fous royalement. Il s'avère que la ça change strictement rien dans ma vie. Je te connais même pas. Le paradis, l'enfer et le purgatoire ont aussi été atomisés. Donc, quand une âme quitte un corps, elle n'a nulle part où aller. Elle doit rester ici, dans le métro. Une forme d'expiation de nos péchés cruels, mais pas immérités. Tu ne crois pas? Considérant qu'Artium avait à peu près 3 ans, 3 ou 4 ans quand il est entré dans le métro, au niveau du mérite, je suis pas sûr qu'il y a une grande part de responsabilité dans la guerre. Si tu veux mon avis, là. Oh merde! Après ce que j'ai vu tomber, fait que je pense que c'est censé me faire sursauter, mais ça a pas vraiment marché. Ouh, ça a l'air radioactif au coton cette affaire-là. À chaque fois que je découvre de quoi de nouveau, ça fait un petit son. Oh miam. Bon, ok, il y a des animaux. Ton tunnel abandonné, il vaut pas de la merde. Hein. Je te suis. Tu vas y arriver. C'est beau. T'es capable. Il y a de quoi de l'autre bord de la porte, hein? Puis tu veux que je l'ouvre. Yo, bitch! Khan qui voulait pas ouvrir la porte lui-même. Il attendait que ce soit moi qui le fasse. Attends, j'ai-tu encore? Ok, non. J'ai juste du sang dans les yeux. Ce malheureux vient de la station maudite. Les choses vont mal là-bas. Bah oui, mais c'est parce que... Tu penses c'est pourquoi qu'elle s'appelle de même? Sérieusement. Oh, oh. Quoi, c'est... Y'a rien? Erk. J'en ai dans la bouche. L'étoile d'araignée. Je préfère brûler que d'avoir des toiles d'araignée dans la bouche. L'école! Dégalasse. Comme je disais, j'ai pas de phobie des araignées. J'ai pas peur des araignées, mais n'empêche que c'est dégueulasse pareil comme insecte. Concentre-toi. Avec ses 8 pattes pis ses 8 yeux pis son poil. Tu vois, je me concentre sur quoi? Ça là! Le monde qui dit concentre-toi. Tu as un sixième sens, apparemment. Non. C'est un talent rare, tu devrais l'utiliser. Je suis juste pas une grosse merde comme vous tous. Ne bouge pas. C'est bon, je bouge pas. Chance que je me suis. Ok, non. Artium, qu'est-ce que tu fais? Mais j'ai pas bougé! Mais bitch! Quand tu dis ne bouge pas, t'es sérieux? Oh my god. Ok. Bon, ben, je suis mort. Je sais pas pourquoi.
Mais je suis mort. Allez, avance. Allez, t'es capable. Tu as un sixième sens, apparemment. C'est un talent rare, tu devrais l'utiliser. Ne bouge pas. Bon, je me ferai pas avoir de choix. Ne bouge pas. Je bouge pas là, ok? Je touche même pas au clavier puis à souris. Hey, t'as-tu vu comment toi tu bouges? Man, t'as le Parkinson. Moi, je suis immobile comme une statue. Je tiens mon gun. Immobile. Ah, laisse faire, je viens de bouger. J'ai perdu. Mais check-les. On appelle ça une anomalie. Il est là, ne bouge pas pendant que lui il fait sa petite danse. Rip les bébites. Phénomène étrange, n'est-ce pas? Mais tu sais, un peu, tu ouais. Plus traître que le feu, tout dépend de ton point de vue. Essaie de mieux comprendre les événements avant de te forger une opinion. C'est bon, j'ai pas jugé. Il faut partir. On est plus en sécurité ici. Ah, il m'a tué, puis je l'ai même pas jugé. La grosse boule électrique m'a tué, je me suis laissé faire. Fais attention. C'est bon, il n'y a absolument aucun danger. Hein. Ça, c'est pas du tout un squelette humain. T'as-tu l'intention d'avancer un jour, en fait? Allez, t'es capable, Khan, t'es capable. Il est censé me montrer le chemin, mais... Oh, merde. Ben oui. C'est des choses qui arrivent, hein. Waouh! Prépare-toi. C'est quoi ton arme? Les c'est une AK. Monstres reviennent. Hey, c'est injuste, ton AK fait plus mal que moi. Je me fais focus par lui. Lui, c'est personnel entre nous deux. Évidemment, c'est moi qui ai gagné le combat. Ah! J'ai mal! Ils sont très... Ah, ok, d'accord. Check ça, man. Check ça, comment son AK a fait mal. Check! Hey, la mienne, elle fait pas ça. Hein. Hey, est-ce que je viens de bouffer 100 balles, juste avec ce qui vient de se passer? Ne bouge pas. Pas besoin d'intervenir. Ben, tu dis ne bouge pas. Je bouge pas, hein? Ok, je bouge plus. Wow! Donc ça marche comme ça. Une démonstration en direct. Oui, on aurait pu mourir n'importe quand. Hein? Tu me dis ne bouge pas, le gars il est en train de faire son marathon. C'est de là que ça part. Monte dans la draisine. Le tunnel devrait être sûr. On devrait pouvoir passer facilement. Oui. Comme tantôt quand tu disais que c'était vide. Je t'ai fait plus ben confiance, hein, Khan. Ouais, je regagne pas ma vie. Il veut pas me soigner. Bon. Tu as une mission noble à accomplir. Tu crois vraiment que police va t'aider? Ou bien il n'y a simplement. Comment tu le sais? Hein? Tu m'espionnes? Tu n'es pas obligé de répondre. Qu'est-ce que tu fais? Tu passes à travers la bande, t'es au courant?
Allez, fuis devant la modernité. Ok, c'est triste. Mais qu'est-ce que j'en ai à foutre? La station maudite. Quand me conduisait à la station maudite, elle portait bien son nom. Mais c'est ça, je disais. Ses habitants livraient une guerre sans fin pour survivre. Oh, c'est parce qu'il y a bien quelqu'un qui a trouvé le nom à cette station-là aussi. La station se fait encore attaquer. On y va, petit. Pas encore. Les défenseurs ont sûrement besoin d'aide. Yo! Par ici. J'entends des bébés pleurer. Encore une attaque. On peut pas s'en servir d'appât. Ils ont percé les défenses extérieures. Tous les survivants sont ici. Je doute qu'on puisse voir le jour se lever. D'où viennent les monstres? Comme d'habitude, du tunnel à gauche et du carrefour. On a envoyé une équipe de démolition, mais les hommes sont jamais revenus. Y a plus personne pour y aller. Ils sont vraiment à chier. Artyom, tu veux vraiment sauver ta station de son? Oui, je vais faire ce que toute une équipe n'a pas été capable de faire. Cette station fait déjà face à son destin. Il faut lui venir en aide. Je m'en fous. Retrouve les restes de l'équipe de démolition. Non. Ils avaient une bombe avec eux. Traverse le tunnel de gauche le plus vite possible et cours, l'explosion sera massive. Quant au carrefour, on l'a déjà enterré une fois. Mais on dirait que les Nosalis ont creusé à travers les décombres. Il y avait un sas pas loin, il doit être ouvert. Essaie de le verrouiller ou de le démolir. Je resterai ici avec les survivants. Évidemment. Essaie d'attirer les monstres vers nous, ils sont trop nombreux. Ben oui. Bien sûr. C'est bon, j'ai attiré les monstres vers vous. Je veux pas y aller. Ah, ça y est. Pourquoi on n'y va pas tous ensemble en fait? Ils passeront jamais ça. Tu vois, au moment où je m'aventure dehors. Je suis vraiment censé y aller, j'arrive pas à m'éloigner de 5 mètres. Hein. Ok, go! On va se pogner un coin. Putain. Je vois strictement rien, hein. Vous êtes pas les seuls. Je ne vois fuck all. Sérieux, je vois rien. Je vois le 10 cm carré éclairé par ma lampe. C'est pas du tout là qu'il faut que j'aille. Cool. Et donc là on est dans la station, elle s'est fait attaquer, fait qu'elle est déserte. Qu'est-ce que j'ai fait? Quelque chose qui a explosé à quelque part. Oh shit! Non, je veux pas. Voilà. Je vais bien la trouver, hein, maintenant là. Faut que je trouve la bombe. Bien occupé là-bas. Ok, faut que j'aille là-dedans. Ah! Ben oui, évidemment! Au moment où je commence l'animation. Ta gueule! Ta gueule! Hey! Merci. C'est beaucoup 4 balles. Hein. Yo! Yeah. Allez! Oh, bitch! Je vais tous vous buter un par un en ligne. N'hésitez pas à venir un après l'autre. What? C'était-tu ce qu'il fallait que je fasse? Ok, maintenant, faut que j'aille là-bas. À droite.
C'est beau. On va s'en sortir. Peut-être. Ah. Ah. What? Deux cartouches puis un chargeur. Ah! Mais sont immortels. Oh. Je peux pas aller là. Penses-tu? Dommage, j'aurais essayé. Je pense qu'en fait c'est l'objectif, c'est pour ça que je peux pas y aller. C'est là qu'on va quitter la station probablement. Elle meurt un jour, non? Yo, ça tente pas de mourir. Merci. Pourquoi? Tu tires des balles premium. Merci. Je l'ai entendu au bruit, hein. Je me suis bien rendu compte que je tirais mon argent. Ça fait pas le même bruit. Bon, là, je vais poser la méga... Je vais poser la méga bombe ici. Ah, cool. Vous êtes combien, en fait? C'est bon. Il me reste une grenade incendiaire. On va y arriver. On y va mètre par mètre. On va réussir à avancer un petit peu à un moment donné. On recule autant qu'on avance. C'est beau. Oh. Ok, on est presque rendu. C'est de là qu'il débarque. Ok. Chance que j'ai un lighter, hein. Khan me l'a même pas demandé si j'en avais un. On court! C'est qui le boss? Petite station. Je ne t'accompagnerai pas plus loin. On a besoin de moi ici. T'es sérieux? Les tunnels se sont effondrés. Si tu veux aller à police, tu devras faire un détour. Tu peux arriver à l'arsenal en partant d'ici. Et ensuite, tu devras traverser les stations des Rouges et des Fachos. Ah, nice. On y va. Oui, le 4ème Reich. L'arsenal est une station indépendante. Station nazie. Tu ne devrais pas y rencontrer de problème. Mais avec les Rouges, c'est une autre histoire. Ils construisent une nouvelle société avec tous les bonus sympas d'un état policier. Par exemple, la délation de ses voisins. Quand tu seras à Arsenal, cherche une de mes connaissances, Andrei le forgeron. Dis-lui que tu viens de ma part, il t'aidera.
Ok. Du coup, à gauche. Ah, strictement rien. Un hôtel pour l'espoir. Même par les temps qui courent, impossible de se défaire des choses qui font de nous des humains. J'ai piqué le... Non, on n'est pas chien. Par contre, je veux les balles, hein. Ça, une question de survie. Ça sert à rien de lâcher des munitions sur une photo de personnes mortes. Il y avait des balles, hein, ici, je suis pas fou. Pendant une seconde, il y a... Ah! Allez. Voilà. Monte à bord. Pas grave. On y va. Tu vois, oh, la musique, elle me fait penser à God of War. N'oublie pas que tout dépend de toi et de toi seul. Ah, nice. J'espère qu'on se reverra. J'ai pas du tout la pression sur mes épaules. Ça va, je suis pas stressé à l'idée de me foirer. L'arsenal, c'est dans la station Arsenal qu'on fabriquait la plupart des armes du métro. Il y avait une usine d'armes située au-dessus, et après le cataclysme nucléaire, beaucoup de travailleurs s'étaient installés ici. J'étais à la recherche d'Andrew. Andrew! Mais ce fut lui qui me trouva d'abord.